en jeunesse. Oh putain. On dirait Sid comme. Oh putain, j'en peux plus. Oh putain, il m'a tué. Ah mais tu sais que ce mec il me fait délirer. Oh là là. Salut la jeunesse. Oh putain, j'en peux plus. Bon, dédicace encore à toi, hein, Silk 722, mon gars. Toi-même, tu sais. Hein. Donc voilà, donc petite vidéo là au calme, genre au calme zère mon pote. Donc voilà, tu vois, genre enfin nouvelle vidéo quoi, tu vois. Genre petit vlog, tu vois, genre je sais pas, tu vois, genre petite vidéo, tu vois. Et allez, on passe. Le mec, il passe partout, frère. Putain, j'ai vraiment pas de patate avec ce pot. Ouais, enfin, je sais que je suis mal réglé, mais j'ai déjà changé au moins 4 fois mes galets. J'ai changé 2 fois la courroie. Ça va, au bout d'un moment. Ah ouais, après, genre, quand je commence à... Quand tu commences après t'as enlevé genre des pièces, t'es de l'origine et tout, après t'as de la. T'as la merde, frère. Donc voilà, donc après genre je vais pas mettre un Poligny origine là, je vais mettre full origine là. Au moins j'aurai vraiment pas de soucis. Et je vais mettre le pot origine. Et après voilà. T'as un débridé hein. Je vais avoir le pot et le vario débridé. Quand même. Oh. Et après là, ça, de toute façon c'est le top hein, façon pour cabrer. Si tu veux cabrer, il faut rester d'origine. Hein. Tu débrides tout et voilà, franchement, il n'y a pas mieux. Donc pour ceux qui disent ouais, il faut mettre un kit et tout, tu vois. Parce qu'il y en a qui disent ouais, il faut mettre un kit et tout, tu vois, genre pour cabrer. Mais en fait, pas du tout. C'est sûr qu'après, avec un kit, ça se lève tout seul. Mais c'est pas ça, tu vois, cabré. Ça sert à rien. Moi j'aime bien, moi, tirer comme un achourri, tu vois. Genre, tirer et sentir que ça se lève. Pas que ça se lève tout seul, c'est pourri, ça. Enfin, je sais pas, ça sert à rien. Oh, avec un kit, frère, tu fais ça? T'es comme ça, frère. Oh, moi j'accepte. Moi, là, je suis à fond, là. Ça... Le truc, il est collé au sol, hein. Putain, qu'est-ce que c'est bien d'avoir une voiture, hein. Ah là là. Hein. Ah, le collègue. C'est celui qui faisait du drift là au rassemblement là. C'est qui? Genre la meuf elle m'a dit salut, je sais même pas c'est qui. Ça va, frère? Putain, j'essaie de t'avoir là, de te retrouver, mon pote. Ah, j'ai galéré, j'ai tracé comme une part de l'avenue Chef jusque là. T'es un narval, homme. Ouais. Tu filmes là? Ouais. T'es allé où? Je sais pas, j'ai envie de te retirer chez moi là. Ah, tu m'étonnes, frère. Quand tu te mettais en i, tu te mettais plus en i avec la bavette? Ouais.
Bah ouais, parce qu'en fait avec la bavette, genre ça se plie la bavette. Ouais. Comme c'est du plastique, donc en fait dans tous les cas je mets en I, que ça se plie pas, donc ça m'arrête. Je dois être comme ça, tu sais, je dois être comme ça avec la barre, et après avec la bavette je dois être comme ça, mais après c'est pareil. Mais de toute façon là je compte la raccourcir donc. Ouais. T'as jamais pensé genre tu le lèves, tu le poses sur la barre? Si, je l'ai déjà fait ça. Mais ben, la fois genre je l'ai posé, j'ai mis mon pied sur la barre et j'ai roulé avec. Putain. Mais genre il tient pas, tu sais, comme j'ai les deux trucs là, tu sais, il tombe sur les deux côtés, tu sais, c'est pour ça, c'est la merde. Il y a des flics de partout en plus là. Et là j'en ai croisé deux fourgons de gendarmes. Ah, ouais. Bah vas-y. On va faire une bavette un coup. Non, t'es ouf ou quoi? Il y a trop de flics, frère. Bah vas-y, vas-y, frère. Vas-y, tiens. C'était un abonné. Il m'avait dit, il me l'avait déjà dit en fait sur mon Facebook qu'il me voyait souvent à l'arrêt de bus. Par ici en fait. Il allait passer lui. Bon, bon. Oh les gendarmeries. Gendarmerie, on se cache. Ah ouais. Jeune Renoir sauvage. Ouais. Ok frère. Il a craqué lui. Oh le orange. Elle est fraîche cette musique je trouve. Moi j'aime bien moi. Oh, sinon je voulais vous parler d'un truc. Vous savez j'avais fait j'avais fait un petit vlog en fait. Où genre je disais que j'allais faire un concours etc. Donc voilà, donc le concours il s'est déroulé sur Facebook. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo. Et en fait le concours il est terminé et tout. Donc c'est bon, j'ai trouvé le gagnant et tout etc. Donc voilà, donc il faut juste que maintenant je lui envoie le pull et voilà. Donc voilà. C'est pour ça, suivez-moi sur mon Facebook, au moins vous aurez plein de d'informations, etc. Donc. Petit stoppie ou pas? Oh putain. Putain, j'ai mon collègue là, genre, je lui ai prêté mon scooter, tu sais. Je lui ai prêté mon scooter, putain, il a réglé le frein, tu sais. Putain, comme il est dur maintenant. Putain, c'est insupportable. Ah, comme il est dur. Il me l'a serré 6 fois, je crois. Il a fait 6 tours, frère. Putain. Il m'a dit qu'en fait, genre, c'était mieux et tout, donc... je sais pas, je vais essayer de m'habituer. Si je m'habitue pas, ben, je vais le desserrer, voilà. Donc j'espère que vous allez bien, etc. Et je voulais vous informer un truc aussi. La vidéo là pour le vrai tuto là pour savoir comment cabrer, ben je pense que je vais le faire bientôt là. Enfin depuis le début je vous dis je vais le faire bientôt. Si je grimpe, genre je me demande avec comment je vais faire ça en fait. Avec quelle vue, etc. Tu vois. Ah c'est mon morceau préféré ici, attends je le remets. Oh putain, le camion. Ouais.
Ah, c'est là, là, regarde. Ouais, t'es Mayotte, moi je fais nian. Bah, déjà, ils doivent prendre pour un fou, genre, je suis en train de danser. Oh, les feuilles. Putain, j'arrive, il me jette des feuilles, tu sais, ce fils de pute. Vas-y, moi je suis un thug. Jeune Renoir sauvage. Le canon frotte de mon pénis. Vendredi, je suis en camion. Je suis une racaille. Les gars, je suis une racaille. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, 34. Dédicace à Sid comme quoi, hein. Voilà. Il y a que lui, je crois, dans ma vidéo, tu sais. Oh, t'as vu, frère, je pense à toi. T'as vu, dès que je vois 34, Montpellier, je pense à toi. Voilà, t'as vu. Bon, on va où? Oh, je fais vraiment de la merde. Putain, mais où je vais? Ah, mais cousin. Même moi, je sais même pas où je vais là. Enfin, si, tu vois, je connais, mais. Pourquoi je suis parti là? Putain, j'ai pas de patates. Oh, les gars, je vais me faire renverser, j'ai pas de patates. Vas-y, passe. Oh, je suis à fond. Oh, les gars, je suis à fond. Oh, les gars, j'étais à fond. Salut. Oh putain les gars, il y a le vent qui est contre moi, je vais faire un bouchon. Oh les gars, si ça c'est pas top. Oh les gars, je suis en fond. Miaou. Genre le mec on dirait qu'il... Oh, encore 34. Oh. Oh. Oh Silk. Oh, t'as ramené ta famille ou quoi? Oh les gars, je vais prendre une voiture. Attends, je dis. Oh les gars, je vais me prendre une voiture, frère, il y a peine la journée là. J'ai pas de patate. J'accélère à fond, frère, je suis à fond. Gars, là je suis encore à fond. Allez, regarde ton rétro là. Et genre le mec il découvre, t'sais. Oh, il y a des arbres. Oh, oh, il y a un ciel. Oh, il y a des nuages. Ah mais nous à Montpellier, nous, il n'y a pas des nuages. Oh, il y a des voitures. J'ai jamais vu des voitures de la vie. C'est le passage, il est pas là. Hein. Genre la meuf, genre en fait, elle passe le passage. Putain, mais... Oh, mais c'est pas possible. T'as genre la meuf là qui est derrière là, elle a pris le CD de passage, mais en fait elle s'est mise sur le CD de passage. Mais tu vois genre c'est pas les roues avant, tu sais, qui étaient sur les, t'es sur les traits là. Du CD de passage, c'était les roues arrière. What the fuck. C'est n'importe quoi. C'est la guerre ici, les gens. Y'a tout le monde qui klaxonne. Tu sais même pas pourquoi. Genre, l'autre il est coincé, tu sais même pas par où il est venu. Mais genre, ça traverse de partout et tout. Je suis en
c'était mon collègue, c'était Eric. Bah dédicace à toi mon poteau hein. Parce que je t'ai vu, toi tu m'as pas vu comme d'habitude. Donc si tu vois cette vidéo, ben voilà. Hein Eric. Sinon, dites-moi si vous aimeriez bien avoir des vidéos avec la vue avec la GoPro au-dessus du casque là. Dites-moi si vous aimez bien ou quoi. Bon, moi je le referai. Et dites-moi si vous aimez bien, tu sais la GoPro qui tourne sur moi-même là. Dites-moi si vous aimez ça aussi, moi je le referai et tout. Donc voilà. Oh, putain, j'en ai marre là de ce vent là, putain. Bah de vrai, le vent il nique tout hein. Et j'ai surtout pas de patates aussi. Voilà, on laisse passer les voitures. C'est pas grave, moi je me tape le feu rouge, mais c'est pas grave, moi j'ai tout mon temps, moi. Peut-être qu'ils doivent aller chercher leurs enfants ou quoi, au centre aéré ou quoi. Ou même chez la nounou, je pense. Sinon, dites-moi comment vous trouvez la chaîne. Si la qualité de mes vidéos vous plaise, je sais pas, dites-moi comment vous trouvez. Je vais pas vous dire ouais si je fais du bon boulot quoi. Mais genre c'est si vous aimez bien et tout. Car moi je trouve que la qualité de mes vidéos, tu vois, genre la qualité de l'image de mes vidéos, tu vois, genre elle est pas top, tu vois. Donc je sais pas, dites-moi aussi la qualité de l'image, si vous aimez bien, si vous aimeriez bien que ça soit mieux ou quoi. Je sais pas, dites-moi le. Au moins moi je saurai par la suite et tout. Donc voilà. Dites-moi et. Donc voilà. Et la FAQ là pour les 5000 abonnés là, elle arrive là. Vous inquiétez pas. Mon nique sa mère, je passe par là. Hein. Ah mais franchement, moi je suis le mec en fait qui fout la merde en vrai. Oh les gars, je vais prendre une voiture. T'as pas entendu le bruit, c'est la voiture là. Elle a freiné mon gars. Donc, bon là, on sera plus posé là déjà là. Donc voilà, donc dites-moi si vous aimez vraiment bien la chaîne et tout, tu vois, genre, tu sais, c'est pas pour avoir des compliqués, tu vois, genre, je vous dis pas ça, c'est pour que vous me dites, ouais, super, Kini continue comme ça, change rien. Non, moi je suis là, tu sais, pour augmenter la qualité, tu vois, de la chaîne, tu vois, pour que le rendu il soit mieux, tu vois, genre, tu sais, pour que ça soit encore mieux, pas pour que j'ai des compliments, tu vois. Donc voilà. Putain, je vais laisser passer la voiture. Putain mon gars, ça sent le goudron là. Putain mais on est quel jour aujourd'hui? On est mercredi. C'est bizarre qu'il y ait. Donc voilà, je comprends ouais. Je comprends pourquoi ça pue. Enfin, en fait, ça sent bon, tu sais, le goudron, ça sent bon. Moi, je kiffe trop, moi, l'odeur. Putain, il fait froid. Bon, bref. Donc, voilà, donc dites-moi, donnez-moi vos avis sur la chaîne, globalement. Un avis global. Ce que je pourrais
pourrais changer, ce que je dois pas faire, ce que je dois faire, ce que je devrais faire. Tu vois, genre, dites-moi en plus, tu vois. Donc voilà. Tu vois, genre, c'était un petit scooter vlog. Un petit scooter vlog, tu vois, sympa et tout. Enfin, sympa, je vous ai juste un peu parlé, un peu vraiment vite fait, tu vois. Pour donner un peu des nouvelles, un peu de tout. Donc voilà, donc là, là, je vais remettre le scooter tout en origine. Enfin, de toute façon, j'ai changé que le pot depuis que je l'ai, le scooter. J'ai le carbu d'origine. Le carbu, je l'ai jamais changé. Donc moi, j'ai pas ça à changer, ni rien, j'ai juste le pot. Donc je vais débrider le Vario et le pot. De toute façon, mon Vario, il est déjà débridé. Donc j'aurai juste le pot d'origine à débrider. Donc voilà. Bon, sur ce, moi je vais vous laisser. Oh. De toute façon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ah, c'est la première fois quand même que je fais ça. Donc voilà, donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao.